Le cri de détresse des étudiants camerounais boursiers en Tunisie. Ils envoient un message aux autorités durant une manifestation devant le siège de l'ambassade du Cameroun en Tunisie. La principale revendication, c'est le paiement des bourses d'étudiants qu'ils n'ont pas perçues depuis 4 ans. Nous sommes étudiants boursiers camerounais en Tunisie. Nous sommes là pour revendiquer nos compléments de bourse qui ne sont pas arrivés depuis 4 ans. Tout à l'heure, j'étais avec le nouvel ambassadeur qui m'explique que nous devons attendre et qu'il a relancé la procédure. Mais cela étant, ça fait 4 ans déjà qu'on nous dit la même chose. Nous sommes à bout de cela. Nous ne voulons plus attendre. Nous voulons un certificat qui nous donnera une date exacte de la réception de nos compléments de bourse. Ces étudiants camerounais dénoncent les promesses non tenues des autorités qui leur avaient pourtant donné des garanties avant leur départ du Cameroun. Sauf que jusqu'ici, ils n'ont rien perçu. Dans le cadre d'abord de la bourse de coopération, on nous a promis un complément de bourse qui devait arriver chaque année. Mais déjà depuis près de 4 ans, nous n'avons vu rien de ce qui ressemble à un complément de bourse. On a des arriérés de loyer impayés. Nous lançons un appel aux autorités camerounaises. Ils n'ont qu'à respecter leur engagement. Parce que ça fait 4 ans, ils nous ont envoyés ici en Tunisie. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous donner des bourses, qu'ils allaient nous octroyer des bourses. Mais jusqu'à présent, rien. On va à l'ambassade, ils nous disent que le problème, c'est au Cameroun. Nos parents vont au Cameroun, ils nous disent que le problème, c'est à l'ambassade. Pour finir, cet argent, il est où? Nous, on vit comment? Alors, on appelle les autorités camerounaises à respecter leur engagement. Face aux conditions de vie de plus en plus difficiles, ces étudiants vivent désormais au crochet de leurs camarades tunisiens. Leurs parents au Cameroun ayant épuisé toutes leurs ressources. Nos parents sont en difficulté parce qu'ils n'ont plus d'emploi pour subvenir à nos besoins. On est obligé d'emprunter chez les amis et sans savoir quand est-ce qu'on va rembourser, nous sommes obligés de vivre sous l'aile des Tunisiens qui acceptent de faire certaines aides pour nous. Et c'est pas vraiment facile. Pour le moment, Yaoundé ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Rappelons qu'il y a quelques semaines, des étudiants camerounais vivant en Algérie avaient eux aussi manifesté pour les mêmes causes. Pour l'heure, ces étudiants camerounais en détresse en Tunisie espèrent une prompte réaction des autorités afin de leur permettre de poursuivre sereinement leurs études.